Bonjour, bonsoir à tous ceux qui regardent cette vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous présenter Trillionaire Prono. Si ce n'est pas quelqu'un de fiable ou de sérieux, je ne ferai pas de publicité pour lui. J'ai encore un pari que j'ai pris le soin de cacher, d'accord? J'ai caché les paris sportifs. Je l'ai fait moi-même car Trillionaire me l'a conseillé. Ce pronostic normalement est payant, mais si vous vous rendez sur son snap et que vous allez voir dans sa story, vous verrez qu'il est gratuit. Vous verrez par vous-même s'il est fiable ou pas. Vous pouvez juste écrire sur un papier les paris avant de les jouer et vous verrez que la plupart du temps, ces paris sont fiables. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. En coup de vent, je fais une publicité pour tous ceux qui aiment Fortnite, tous ceux qui aiment les gaming, tous ceux qui aiment le jeu. Je vous invite à rajouter mon ami Une Vie. Son lien s'affiche ici. Tous les jours, il fait des directs sur Fortnite à 18h. Vous avez eu votre dose avec les publicités. On peut passer au sujet de la vidéo. C'est Kamoff, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Après avoir visionné une vidéo sur Facebook et sur YouTube, un malvoyant à Marseille se faisant expulser d'un magasin parce qu'il avait un chien guide. C'est un animal de compagnie qui sert à guider les malvoyants et qui est pratiquement indispensable pour eux, autant qu'une chaise roulante pour un handicapé. J'ai donc décidé de me mettre à leur place et de faire semblant d'être malvoyant avec un chien guide et de rentrer dans les magasins pour voir la réaction des gens. Le but de cette vidéo en rentrant dans le magasin de mon ami, c'est tout simplement de voir la réaction des clients. Vous verrez malheureusement en 2018 qu'il y a encore des gens qui boycottent le fait qu'un non-voyant peut avoir un chien et qu'il se rende en magasin. On se retrouve à la fin comme d'habitude pour une conclusion. Ciao. Voilà les amis, donc on est sous la pluie. Magasin sous la pluie. On est devant le magasin MaxiVap qui se situe exactement 208 avenue du 24 avril 1915 dans le 12e. Si vous passez ici, vous risquerez de me voir souvent. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans la vidéo. Ce qui me ferait gravement plaisir, c'est que vous veniez lui rendre visite. Allez, go. Donc avec la complicité de mon ami Marc, que je connais depuis très très longtemps, je vais faire semblant d'être aveugle. Je vais venir avec un chien devant les clients pour voir si vraiment il y a encore des gens en 2018 qui y voient un inconvénient. Nous allons filmer avec une caméra GoPro que nous allons cacher. Je vais utiliser un écouteur sans fil parce que j'en ai marre d'avoir des écouteurs filaires. C'est pour ça que je vais vous parler d'écouteurs qui sont Bluetooth, d'accord? C'est des écouteurs comme ça, voilà. Vous voyez, ça enregistre le son, ça enregistre vraiment tout. C'est compatible avec tous les téléphones. Rangez les écouteurs là-dedans. Vous les branchez, il y a un code promo pour les 100 premiers, la livraison sera gratuite. Je vous invite à vous rendre sur le site que je mets juste en dessous dans la description. Le code promo CAM40 qui vous fera bénéficier de moins 40% sur ces écouteurs. Et pour les 100 premiers, la livraison est gratuite. C'est eux qui sponsorisent cette vidéo et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir tout mettre en place. Voilà. Pour cette expérience sociale, je vais bien sûr avoir besoin d'un chien. Et ce chien, c'est Ishka, un chien très bien dressé. C'est un chien qui me fait penser à ce qu'ont les non-voyants. Je vais rentrer bien évidemment avec ce chien dans le magasin. Donc ça, c'est Ishka et on va faire la vidéo avec elle. Donc là, on va placer cette GoPro ici. Et voilà, là c'est parfait pour cette expérience. Le magasin va pas tarder à ouvrir. On va attendre les clients un à un. Et quand un client rentrera dans le magasin, on rentrera juste derrière pour voir sa réaction. Est-ce que tu es prêt personnellement? Personnellement. Alors si Marco est prêt personnellement et que moi je suis prêt personnellement, on peut y aller. C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, je suis venu me renseigner pour la cigarette électronique. Je fume beaucoup et vraiment, j'ai envie d'arrêter. Là, il y a un client qui vient de rentrer. On va y aller avec le chien. Je vais mettre les lunettes et on va essayer de voir les réactions du premier client. C'est parti. Je pars bien des écrans digitaux. D'accord. Vous réglez en fait selon le moment de la journée. Ouais. Excusez-moi, une seconde. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va. C'est bon? J'ai mon chien qui m'aide. Bonjour monsieur. Ah, j'ai plusieurs. Bonjour. Oui. Il vous dérange pas le chien, monsieur? Non, pas du tout, monsieur. C'est vrai? Non, non, ça vous dérange pas? Ah, non, 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 monsieur. C'est vrai? Non, y'a pas de problème, vous inquiétez pas. Parce que je sais que des fois ça dérange des gens. Y'a pas de soucis. Ça vous dérange pas, monsieur? Non, 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 c'est pas de soucis. Non, non, non. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas là? Je vois très bien. Il y a une caméra qui est juste ici aussi. Ah, d'accord, mais j'étais pas courant, non, j'étais pas courant. Ça vous dérange pas d'être filmé, de toute façon, je foutrai votre visage. Il faudrait que plus de personnes soient comme vous. On va attendre les clients un par un et on verra ce que ça donne. Bonjour. Vous voulez bien?
Ça va impeccable. Ouais, par contre, la première couverture, ouais, alors que je n'ai pas été, tout est nettoyé. Les gars, le deuxième client vient de rentrer, j'attends à peu près 2-3 minutes et je rentre dans le magasin avec le chien et je remettrai mes lunettes. J'ai eu souvent ce problème. Mais... à mon avis, c'est... Ah, attendez, une seconde. Vas-y, entrez. Bonjour monsieur. Je finis avec le monsieur, je m'occupe de vous. D'accord. Donc la batterie est toujours souvent, j'attends qu'elle soit à plat. Je... voilà, parce que généralement, monsieur, ça va ? Pardon, j'ai pas pris. Il y a une chaise quelque part ? Regardez. Ça vous dérange pas que j'ai le chien avec moi ? Non, pas de soucis, monsieur. C'est en ce moment, j'essaye d'apprendre comme j'ai plus la canne. Il est très bon, c'est tout. Gentil, vous pouvez y aller, hein. Ça se voit, il est très beau. Pas le... que ce soit ceci. Elle est où la carte ? Elle est bien, hein ? Maxiva, tout ça. Non, c'est pas vrai. La caméra cachée, la caméra, elle est juste en haut dans l'angle. Ça vous dérange pas d'être filmé ? Non, je suis voilà, en photo, voilà. Votre visage, voilà. Je ne suis pas un envoyant et je ne le souhaite à personne. Prenez le produit, c'est pour moi. C'est moi qui paye. D'accord ? Bonjour. Il faudrait des résistances pour les aussi, s'il vous plaît. Comment vous en parlez ? Les gars, jusqu'à là, tout s'est bien passé. Il y a un troisième client qui vient de rentrer. Ça m'amuse parce qu'il rentre à tour de rôle. Je vais remettre mes lunettes, je récupère encore le chien et on rentre dans le magasin. C'est parti, let's go. Désolé, je t'appelle peu fort. Bonjour, allez-y, ça va. Allez-y, y'a pas de soucis. T'arranges pas le chien ? Y'a pas de problème. Ça vous dérange pas, monsieur ? Non. Ah, y'a quelqu'un d'autre ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Franchement, monsieur, vous avez un très beau chien. Ah, merci. Vous avez bien du pied. Vous avez de belles chaussures aussi, Hugo Boss et tout, ça passe crème ça. C'est beau, Hugo Boss. Pourquoi il y a des chaussures ? Je vois beaucoup de choses aussi. Vous savez ce que je vois aussi ? Je vois que vous êtes quelqu'un qui est très très bien. C'est une expérience sociale, une caméra cachée, la caméra est juste là. Par rapport à l'histoire avec les là. Nous on soutient ce genre de cause et c'est pour ça qu'on a pris un chien dans un magasin pour voir la réaction des clients. C'est lui chien de magasin ? Non, c'est un chien que. Ça coûtait un bras et demi, ça aussi c'est un truc que je comprends pas mais. Ouais, il est super gentil et vous également. Qu'est-ce qu'il voulait prendre le monsieur ? Le monsieur il voulait prendre une boîte de résistance. Je le mets sur mon compte, je paierai à la fin. Bonjour. Ouais. Ouais. Tu vois, genre, tu vois, je cherche des goûts un peu particuliers, c'est moi, un truc qui me met bien un peu, tu vois. On n'a pas le droit de vendre des produits qui ont des effets de drogue, on va dire, on a que des produits à limite. Il y a encore un jeune homme qui vient de rentrer. Je vais encore remettre les lunettes, récupérer le chien qui est juste à côté de moi. Et on va rentrer dans le magasin. C'est parti, on y va, let's go. Ça. Après, moi demain je ferme si je vends des produits comme ça. Excusez-moi. Non, ça m'en fout, tu as vu quand même. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, je suis quoi là. Pourquoi tu as un chien là dans... C'est normal ça. Ça me dérange, monsieur. Bah, je sais pas, c'est pas interdit un peu les chiens dans les boutiques. En plus, je suis en train de parler avec vous. Moi, je cherche le produit, tu vois. Je recherche le produit depuis tout à l'heure. Je parle avec vous, déjà ça me dérange parce que vous ouvrez alors je suis en train de vous parler. Je pense que c'est pas pour le plaisir qu'il y en a le chien. Ah, moi j'aime pas du tout, ça pue, regarde, ça sent mauvais, c'est plein de poils, ça fait des allergies, je dis non, c'est interdit normalement. Ok, vous êtes non-voyant, d'accord, dommage pour vous, tu vois, mais vous avez des animaux, moi j'aime pas du tout ça, c'est pas normal. Vous voulez sortir du coup ou pas le chien ? C'est une blague. Je suis allergique, je vais éternuer là. Est-ce que tu as envie que ton pull gris je te le mette dans le cul ? Dis-moi le maintenant. Tu me dis, j'enlève les lunettes parce qu'en fait tu parles du tout. Je parle pas du tout, comment est-ce que tu veux maintenant ? Ça part un coup toi. Je parle du tout. Vas-y bien, vas-y. D'abord, je prends pour qui pour faire chaque chien aveugle. Je le connais, je me viens à toi. Ouais, tu prends des gens pour des cons, toi. Soit je te défonce dans le magasin maintenant, soit tu te calmes vite parce que ça est en train de me prendre la tête là. Il y a une caméra juste en haut, tu es filmé. Toi je te fais là, tu es filmé. En plus, je suis filmé, tu vois. Et tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu sais ce que c'est être non-voyant ? Oui ou non ? T'as déjà été non-voyant ? T'as vu quelqu'un ? Non, j'ai pas été, moi je m'en vais les p***, on a tous des problèmes. Mais tu sais quoi, vas-y, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Quand j'ouvre la porte, y'a plus personne. Là, j'ouvre la porte, tu vas partir en cavale. Garde la clé, on ferme. Moi, je vais te faire comprendre que être aveugle, c'est quelque chose de grave et je vais te faire comprendre que ton comportement, c'est pas normal. J'arrive pas à comprendre comment on peut avoir cette mentalité en 2018. Quelle mentalité ? Et alors ? Tu crois genre pas tout le monde qui a des problèmes, tu crois qu'il n'y a pas tout le monde qui a des soucis et tout aussi. Oh, s'il te plaît. Vas-y, viens. Voilà, viens. Comment ça, il est ? Quoi ?
lui, hein, tu penses à toi. Voilà, elle est à moi, elle est à moi. Elle est à moi, je touche pas, elle est à moi. Elle est à moi, elle est à moi. Arrête de filmer, on va régler ça comme des hommes. Arrête de filmer, on va régler ça comme des hommes hors caméra. Après s'être un peu embrouillé avec monsieur, je préfère te voir les yeux bandés comme ça, avec les mains, donc tu ne peux pas te libérer. Ça n'empêche pas de partir, vas-y. Là, je repars la tête basse, tu sais pourquoi ? Parce que le jour où je vais te retrouver, je fais la tête haute. Voilà. Tu me fais arrête de faire tourner, oh, j'ai mal au cœur là, tu vois pas, j'ai plus à faire la tête, qu'est-ce que tu fais ? Allez, sors du magasin, vas-y. Allez, la sortie, elle est là. Elle est là, la sortie. Elle est là, la sortie. Allez, là, viens, je te guide, viens. Les escaliers, je veux que tu fasses mal non plus. Allez. J'ai envie de le pousser. Ciao, mec. Ciao. On va le suivre. On va quand même le suivre pour s'assurer que ça sera écrasé, gros. Il sait pas qu'on le suit. Viens, le suivre, viens. Il cherche sa couture, gros. Pourquoi mes vidéos, elles finissent tout? Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. La personne en question dans la vidéo a peut-être eu peur du chien, a peut-être pas compris le je sais pas, je comprends pas son comportement, donc je pourrais pas vous l'expliquer. Je trouve grave qu'en 2018 il y a encore des gens comme cette personne. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Snapchat et Instagram. Le Snapchat c'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Et l'Insta c'est tout simplement Cam-Off-Officiel. Pour tous ceux qui aiment nos vêtements, qui aiment porter notre marque et qui veulent les acheter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y en a pour tous, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Allez faire un tour et faites votre choix. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube qui est juste derrière moi pour ne rater aucune de nos vidéos tous les mercredis à 18h. Je mets également un site où vous pouvez faire des dons pour soutenir la cause des malvoyants. N'hésitez pas à donner quelque chose, ça fait avancer la recherche. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous pourrons redonner la vue à ceux qui l'ont jamais eu ou qui l'ont perdu. Pour ma part, c'est l'heure de vous dire au revoir. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Faites attention à vous et respectez les gens qui sont handicapés et même ceux qui ne le sont pas. C'était Camoff, à mercredi prochain. Ciao.